l'héroïne de Oko. Yame Daro, Kofuma, massacre Mbé. Il a oui, on y va l'ombi. A balalom. Il a oui, a ou balalombi, baba. A balalom chop. Il a oui, on y va l'ombi. A balalom feu. Il a oui, a ou balalombi, baba. A balalom chop chop. Kabile nana masayala, we are balamo. Debile nana masayala, baba. Musonube katoro. Kabile nana masayala, baba. Fatolbe kasiaya. Kabile nana masayala. Herete jamana de luka. Oh. Ila we are in Maralombi. A Baralom. Ila we are in Maralombi, Baba. A Baralom Chok. Ila we are in Maralombi. A Baralom Feu. Ila we are in Maralombi, Baba. Venez la famille. Venez, je vous attends, je te rappelle ton histoire. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Amiralda Kamano, il est là pour vous. Le combat continue. Nous allons faire un déballage tout à l'heure de cette situation politique en République de Guinée. Si exactement le FNDC doit-il soutenir la candidature des présidents des partis politiques membres du FNDC. Il s'agit de Seydou Dalène Diallo. Il s'agit également de Dr Ousmane Kaba et de Maître Kabele Kamara, dont j'aimerais faire un déballage avec vous pour vous dire est-ce que réellement, le FNDC doit-il accompagner la candidature de ces personnes? Et ensemble, on va l'analyser ensemble quand, lorsque j'aurai terminé avec tout ce que Alpha Condé compte faire pour aujourd'hui tricher cette élection présidentielle du 18 octobre. On analysera ensemble est-ce qu'il faut y accompagner nous, membres du FNDC, de par le monde. Je ne parle pas que seulement de la coordination, mais je vais parler, quand je dis FNDC, c'est tous les militants du FNDC, je veux parler. Est-ce que nous, militants du FNDC, on doit-il accompagner la candidature de ces trois candidats, membres du FNDC, et aussi vous en parlez? Est-ce que les quatre coordinations régionales des sages doivent-ils aussi accompagner la candidature de Seydou Dalène Diallo, qui est le véritable adversaire d'Alpha Condé? Parce que il faut le reconnaître, en République de Guinée, comme on aime le dire beaucoup, il y a toujours deux camps, l'opposition et la mouvance, dont chacun connaît le poids de l'autre. Donc, ensemble, on va voir, mais vous êtes en train d'écouter la chanson « We are » que toutes les promesses dont a donné M. Alpha Condé. Cette chanson s'inscrit par rapport à la réponse à ces promesses. Mais je vais vous faire un déballage total, un déballage complet. Ensemble, nous allons voir ce qu'il faut. Niko promesse, abese wola, mais niko bara, atese wola, niko wia, akusala, wia kusawala, niko promesse, abese wola, mais niko bara, atese wola, aha, wia barambo, c'est ça, fanta umbe katoro, ilakuma barantoro, ouais, musolu be kasege, voilà. Soyez la bienvenue. Déjà, on peut commencer parce qu'il y a déjà une cinquantaine de personnes en ligne.
Bon, nous allons aller, les autres viendront petit à petit. Alors, je vais... Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les combattants et combattantes pour la démocratie, pour l'alternance, pour la sauvegarde de notre dignité, pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République de Guinée, pour la sauvegarde de nos valeurs démocratiques. Je salue tout le monde. Amiral Dak Kamano, pour vous, votre serviteur, votre combattant infatigable, je suis encore là pour vous parler ce matin de la situation politique de la République de Guinée et vous dire clairement quelle sera ma position face à ce processus électoral du 18 octobre. Donc, c'est pour cela que je suis venu devant vous. Et tout d'abord, moi, comme vous le savez, c'est de la prison. J'ai appris la date de dépôt de candidature pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, où il a été retenu le nom de 12 candidats, parce qu'ils étaient 13, mais il semblerait qu'un a été disqualifié. Donc, pour des raisons de santé, comme je l'ai appris sur RFI, parce que de la prison, le seul élément d'information que j'avais, c'était la radio RFI que j'écoutais pour avoir des informations de notre pays. Alors, nous avons parmi cette liste des véritables adversaires. Je vais parler de Alpha Condé, président sortant, candidat du RPG, et selon l'ancienne constitution que nous avons, la constitution de 2010, sa candidature est illégale. Et au vu de tous les Guinéens, nous avons dit que la candidature d'Alpha Condé est illégale. Vous allez retrouver sur la même liste Ella Seludalen Diallo, chef de file de l'opposition, candidat de l'UFDG, véritable adversaire d'Alpha Condé. Et nous avons aussi un autre poids lourd qui coupe le sommeil à M. Alpha Condé en Haute-Guinée, qui est Dr. Ousmane Kaba, pour qui Alpha ne parvient plus à dormir à l'heure là parce qu'il se croit que Ousmane Kaba est le comploteur, le mafiateur du coup contre lui en faveur de Seludalen Diallo. Et vous aurez encore un autre poids lourd qu'on appelle Maître Kabele Kamara, dont sur ce côté, nous voyons que cette élection va s'annoncer très difficile pour M. Alpha Condé, très difficile parce qu'il ne s'attendait pas. Nous avons deux dames qui nous ont fait honneur et qui ont fait honneur à toutes les femmes de la Guinée, les deux dames Makalé Sylla et Makalé Traoré. Donc, et sur ce, nous avons aussi le retour d'un autre qui est Ousmane Doré, que nous avons connu avec l'arrivée du CNDD au pouvoir. Il était avec eux. Donc, particulièrement, j'avais échangé avec lui dans la boîte avant qu'il ne se porte candidat. On s'était déjà écrit un moment donc, où ils avaient demandé mon contact. Et avec ça, on va aller vif, droit au but. Pour ça, ils sont 12. 12 pour une seule place. La place, c'est Koutouréa. Pour cette fois-ci, qui sera le locateur de Sékou Touré? Et pour nous qui sommes ici, les camps sont divisés. Nous avons ceux qui sont pour l'alternance et nous avons ceux qui sont pour la continuité. Donc, la seule raison, nous allons d'abord faire un déballage sur le fichier électoral. Le fichier électoral, le corps électoral s'élève à 5 410 089 électeurs, dont vous connaissez déjà. Le partage régional de l'électorat, la basse côte, qui est la basse Guinée qu'on aime dire, à 40% de l'électorat,
La Haute-Guinée, 31% de l'électorat. La Moyenne-Guinée, 14%. Et la Guinée-Forestière, 14%. Ce qui fait à l'intérieur de la Guinée un total de 99%. Et de ce fait, nous partons pour les Guinéens de l'étranger dans ce processus du 18 octobre qui viendra. Nous prenons pour l'Afrique, on a 72 344 électeurs. Et nous avons en Amérique 6 096 électeurs. En Asie, vous aurez 1 157 électeurs. Et en Europe, vous aurez 11 346 électeurs. Ce qui fait un total de 90 943, soit 1% de l'électorat. Les 1% plus les 99% de l'intérieur font les 100% de l'électorat. La première remarque, dans ce processus, nous remarquons que la région de Cancan dispose plus d'électeurs que les autres régions. Pour vous donner le détail de ces électeurs par région, vous avez la région de Cancan, 1 173 421 électeurs. Vous avez pour Conakry, 1 16 848 électeurs. Vous avez pour la région de Zérékoré, 779 977. Vous avez pour la région de Kindia, 706 74 électeurs. Vous avez pour la région de Farana, 463 288. Vous avez pour la région de Boké, 433 494 électeurs. La région de Labé, 424 832. Et la région de Mamou, enfin, 321 220 électeurs. Ok, merci. Je vais diminuer alors le son. Merci, merci. Voilà. Merci beaucoup, merci de cette appréciation, cette remarque. Donc, je donne ces suffrages pourquoi? Je donne l'électoral, les détails de l'électorat pourquoi? Pour que ce que je vais donner soit clair pour tout un chacun. Vous allez voir comment Alpha Condé compte comploter contre la République de Guinée pour se donner un pouvoir à vie. Donc, après ces chiffres, je vais vous dire ce qui se cache derrière l'idée et le calcul de M. Alpha Condé par rapport à cette élection du 18 octobre. M. Alpha Condé, candidat du RPG, de calcul de pourcentage régional, il s'est dit quoi? Qu'il a officiellement les 31% de la Haute-Guinée. Puisque il s'est dit que la Haute-Guinée, c'est son fief. La Haute-Guinée, c'est là il a l'ombril de son parti politique. La Haute-Guinée, c'est là il a planté l'arbre de son parti politique. Il s'est dit que officiellement les 31% du partage régional de l'électorat l'appartient déjà d'office. C'est ce que s'est dit M. Alpha Condé. Puis il s'est dit quoi? Il s'est dit aussi qu'il a les 14% de la région forestière, la Guinée forestière. Vu que pour M. Alpha Condé, l'ex-président de l'Assemblée qui est honorable Claude Kodikondiano, vient de la région forestière. L'actuel président du Parlement du RPG, parce que je ne dirai pas le président de l'Assemblée, l'actuel, l'actuel est le président du Parlement du RPG, installé illégalement à notre Assemblée nationale. Il s'est dit encore que ce dernier vient de la région forestière. Avec les quelques ministres qui sont pour Kissidougou, Gekedou, Massanta, Zérékoré et certains ex-ministres tels que Domanine Doré et Papa Koli Kourouma et autres. Avec l'appui de Soli qui est le directeur de Sogipa, M. Bemi, Alpha Condé s'est dit qu'il a aussi les 14% de la forêt. Vous allez voir que M. Alpha Condé s'est dit quoi? Puisque la Moyenne-Guinée,
qui aussi a 14% de l'électorat, il sait que là-bas, il ne pourra jamais. Là-bas, le match est déjà joué. Mais il s'est dit, avec l'appui de Bantamasso, avec l'appui de Mukhtar Diallo et de l'actuel ministre de la citoyenneté et de certains ministres qui viennent de cette région, il s'est dit qu'il peut partager les voix avec celui d'Alain Diallo à Moyenne Guinée. Mais il compte sur combien Alpha Condé se battra à Moyenne Guinée pour avoir au minimum 3 à 4% de l'électorat de la Moyenne Guinée, les 14%. Il se battra pour avoir que seulement son objectif, c'est 3% ou 4% au maximum sur les 14%. Chose qui va être très difficile parce que je sais bien que la Moyenne Guinée n'acceptera pas ça. Donc, puis, Alpha s'est dit quoi? Malgré qu'il sait qu'il est aujourd'hui impopulaire en Basse-Côte, en Basse-Guinée, il est impopulaire. Ça lui fait plus de combien d'années? Alpha Condé ne tient plus son discours dans les préfectures de la Basse-Côte. Il a même... Le Kountigui de la Basse-Côte a même une fois rejeté l'invitation de Alpha Condé quand il venait pour la première fois faire une propagande pour le troisième mandat. Avec les intimidations qu'il a données à cette région, Alpha se sent aujourd'hui impopulaire en Basse-Côte. Et là-bas est le plus grand nombre d'électeurs. Ils ont 40%. Mais les 40%, Alpha s'est dit quoi? Avec l'appui du Premier ministre, avec l'appui de Baïdi Haribo, qui d'ailleurs, on ne peut pas compter sur lui pour toute la Basse-Côte, parce que lui, c'est l'électorat de Kaloum seulement, il a Baïdi Haribo, c'est seulement Kaloum, et Kaloum aussi, comme nous le connaissons bien, c'est en distribuant de l'argent, il peut avoir la conscience des jeunes de Kaloum. Mais cette fois-ci, tout le monde a su c'est quoi le jeu. Donc Alpha s'est dit quoi? Pour la Basse-Côte, il va aller chercher que seulement entre 7 et 10% de l'électorat des 40% de la Basse-Côte. Alpha Condé ira chercher entre 7 et 10%. Retenez le calcul que je suis en train de vous dire. Vous allez voir que ça sera la même chose qui va se réveiller. Ça sera la même chose qui va se révéler parce que nous tous, chacun a une petite révélation à lui. Chacun a un petit sixième sens. Dieu a mis un petit don à tout un chacun de réfléchir sur des problèmes qui nous arrivent en République de Guinée. Alors, le calcul donnera quoi? Si j'ai dit que Alpha Condé pense qu'il a déjà l'électorat de la Haute-Guinée 31%, on compte 31%, il va se dire qu'il a l'électorat de la forêt 31% plus... L'électorat de la forêt, les 14%, ça va nous donner combien? 45%. 45%, il viendra chercher l'électorat de la Moyenne Guinée, 3%. Ça lui fera 48%. Et Alpha Condé viendra se battre en Basse-Côte seulement pour avoir 7% ou 10%. Ce qui lui donnera, un suffrage total, soit de 55% à 58%. Si on se limite avec les 7% de la Basse-Côte, il aura 57%. Il a le coup KO qu'il a besoin. Et s'il trouve les 10% en Basse-Côte, il aura les 58%. Mais attention, n'oubliez pas que le chiffre bonheur de M. Alpha Condé dans les élections est autour de 57,85%. C'est avec ce suffrage qu'il a accédé au pouvoir en République de Guinée. Alpha Condé s'est dit, en trichant pour aller vers les soixantaines, pour aller vers les 70, il va créer quelque chose qui va mettre ce pays-là à l'eau, à feu même. Donc il s'est dit que avec 55 ou 58, 57, avec les recours qui vont se faire, parce que c'est Ludalène Diallo, Ousmane Kaba et autres ne seront pas d'accord, ni le peuple de Guinée ne sera d'accord,
ils pourront tout faire et Monsieur Alpha Condé va se retrouver avec 51 ou bien 50 virgule et quelques. Et là déjà, il a la moitié de l'électorat, ce qui veut dire il est président d'office. Voici ce que Alpha Condé pense faire. Mais mes frères, je vais vous rassurer quelque chose. Vous ne devrez pas perdre espoir. Son plan-là est compris et ce plan-là sera déjoué. Je vais vous dire pourquoi. Alpha ne s'attendait pas à quelque chose. On va aller, par exemple, pour l'électorat de la Haute-Guinée, fief de M. Alpha Condé. Vous savez pourquoi il ne pourra plus avoir ces 31%? Alpha, vu l'état des routes, vu les promesses manquées, telles que la nationale Mamou Kerouani, Kankan Mandiana, Kankan Kerouani, Kankan Kissidougou, Kankan Zérékoré, et aussi ces dernières manifestations pour l'électrification de la région de Kankan, la capitale de cette dite région, s'est transformée en cauchemar. Cette ville s'est transformée en cauchemar pour Alpha Condé. Oui. Kankan aujourd'hui, la région Mandingue est devenue un cauchemar pour Alpha Condé. Parce qu'il n'a tenu aucune promesse pour cette région. Nous qui sommes dans les autres régions, on se disait que Alpha est venu au pouvoir, il a fait que pour le Mandingue. Alpha n'a fait que pour la Haute-Guinée. Mais mes frères, tenez-vous bien. Certaines régions aujourd'hui en République de Guinée vivent mieux que la Haute-Guinée. Alpha a donné une honte totale à la Haute-Guinée. Alpha a dessus la Haute-Guinée. Alpha a dessus la jeunesse de la Haute-Guinée. Tout leur travail aujourd'hui, c'est dans les mines. Tout le grand travail de la jeunesse de la Haute-Guinée aujourd'hui, c'est s'asseoir dans les bars cafés. C'est préparer à Taïa. Donc ce qui fait que Alpha Condé ne pourra jamais avoir l'électorat de la Haute-Guinée. Et vous savez pourquoi encore? Parce qu'une remarque. Alpha ne s'attendait pas à la candidature ni de Dr Ousmane Kaba au préalable quand il était en train de falsifier ce fichier électoral. Il ne s'attendait pas. Alpha Condé ne s'attendait pas aujourd'hui à la candidature de Sélou d'Alain Diallo. Donc cela fait que aujourd'hui, vous avez vu tout récemment lors de sa dernière sortie à Kankan pour le lancement de sa campagne, Alpha Condé s'en prend publiquement à Dr Ousmane Kaba où il va dire: le malinqué qui n'est pas dans le RPG, si vous votez pour lui, vous aurez voté pour celui d'Alain Diallo. Alpha Condé a vu sa défaite. Il dit, les 11 autres candidats, les 10 autres candidats qui nous accompagnent, celui d'Alain et moi, si vous votez pour un seul parmi eux, vous aurez voté pour celui d'Alain Diallo. Il sent déjà, il voit la défaite. Il a déjà vu. Parce que aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Docteur Ousmane Kaba est un véritable adversaire d'Alpha Condé en région, en Haute-Guinée. Oui, il faut le reconnaître. Et accompagné maintenant de Sélou d'Alain Diallo, l'homme qui coupe le sommeil à Alpha Condé, le Daïchi Khan de la politique africaine, parce que UFDG c'est les Chinois. Ils l'ont prouvé à l'arrivée de Sélou d'Alain Diallo, ils ont prouvé que UFDG c'est un parti des Chinois. Sélou d'Alain c'est le nouveau Yorobo de la politique en Afrique. Si Alpha Condé est le nouveau Mandela, je vous dis que Sélou d'Alain Diallo, c'est le nouveau Yorobo, c'est le nouveau Daïchi dans la politique africaine. Parce que tout le monde était étonné. On était tous étonnés de voir
la façon dont ces militants l'ont réservé une réception. Ils ont gelé tous les militants du RPG à faire leur campagne. Hier et avant-hier, c'est comme si il n'y avait personne en République de Guinée qui portait les couleurs du jaune, du pouvoir. Parce que juste, le Daïchi a fait son retour. Le Yorobo a fait son retour, qui est celui d'Alain Diallo. Alors, Alpha a des sérieux problèmes cette fois-ci. Je vais vous dire, si pour la forêt, je vais vous dire que les 14% que Alpha Condé compte aussi, il a dit qu'il a l'électorat de la forêt, non? Je vous promets, mes frères, moi, Amiral Dakamano, je ferai perdre Alpha Condé en région forestière. Il n'aura pas les 14%. Je ferai perdre Alpha Condé en région forestière. Il n'aura pas ses 14%. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul parce qu'il y a la jeunesse consciente en région forestière. Nous avons des jeunes conscients en région forestière. Je le ferai perdre. Je vous le promets, vous allez le voir. Je vais vous donner le détail. Monsieur Alpha Condé, pourquoi il n'aura pas l'électorat de 14% de la forêt? Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la raison. C'était lors d'une campagne. Alpha Condé est venu, on va commencer par Kissidougou. Alpha Condé s'est rendu à Kissidougou, où il a tenu des promesses. Monsieur Alpha Condé nous parle de quoi. Attendez, je vais bien voir quand il est venu faire sa promesse à Kissidougou. Voilà, donne-moi ça. Excusez. Voilà, c'est bien ça. Ok. Voilà, Alpha Condé vient et vous savez que il dit à Kissidougou qu'à Kissidougou, quand il sera président, l'éducation pour tous, que tous les enfants de la République de Guinée iront à l'école et que tous ces enfants, même un franc, aucun parent d'élève ne payera pour la scolarité de ses enfants. Alpha Condé a tenu cette promesse à Kissidougou. Je pense pour vous qui connaissez bien, est-il vrai aujourd'hui? C'est vrai, vos enfants ne sont pas en train de payer les études. Les enfants ne sont pas en train de payer l'école aujourd'hui. Mais Alpha Condé a dit, l'école pour tous. Alpha dit à Kissidougou, la santé pour tous. Que tous les Guinéens seront soignés gratuitement. C'est à Kissidougou Alpha a tenu cette promesse. Vous allez voir pourquoi il n'aura pas. Et puis Alpha Condé dit qu'au bout de quelques années, la Guinée n'importera plus le riz. Et comme vous nous connaissez, nous en forêt, on ne connaît pas l'auto, on ne connaît pas Bantara, on ne connaît pas Yoka ou quoi, on ne connaît rien, ni Taro, ni autre. C'est le riz, nous on connaît. Alpha nous dit que le riz ne sera plus importé. Qu'on va transformer ici et finalement même on va revendre le riz là au Mali et au Sénégal. C'est monsieur Alpha Condé qui a dit cela. C'était encore à Kissidougou, je vous dis. Plus loin, Alpha dit que nous aurons l'eau, l'électricité et qu'il fera des chemins de fer et des routes. Tel que chemin de fer Conakry-Cancan jusqu'à Ouagadougou. C'est ici, Alpha l'a dit, à Kissidougou, il est venu le dire. Alpha a dit qu'il fera la route Kissidougou-Massenta, en passant par Gekedou, Gekedou-Morovia, Massenta-Lola, Beila-Yomou, Zerekore-Beila-Lola-Yomou, Zerekore-Abidjan, Kissidougou-Cancan, et toutes les pistes rurales qui sont dégradé complètement dans nos préfectures. Alpha avait dit qu'il allait réparer toutes ces pistes rurales. Mes frères, tenez-vous bien. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué en ce temps. Si vous vous rappelez, il y avait eu une crise de pain en République de Guinée. Quand les opérateurs économiques
ceux qui exportent, importent la farine en République de Guinée s'étaient révoltés. Monsieur Alpha Condé, de son passage à Kourousa, et quand il est venu à Kissidougou, on lui a fait comprendre que les peuples ont refusé de donner, de vendre le pain à nous autres. Voici ceux qui sont venus nous dire. Les gens veulent toujours mettre de l'ethnie. Ils sont venus dire à monsieur le président, à l'époque président en exercice, aujourd'hui président sortant, que les peuples nous refusent le pain. Monsieur Alpha Condé dit, Kissidougou, je vous promets de vous envoyer un four moderne et électrique. Vous n'allez plus dépendre de ces peuples. Vous allez brûler votre pain, vendre comme vous voulez, qui a une forte production, qui peut vous produire des milliers et des milliers de pains par jour. Monsieur le Président, Alpha Condé de ce jour à aujourd'hui, nous n'avons pas encore mangé le pain de ces fours. Nous n'avons pas encore vu l'installation de ce four à Kissidougou. Nous n'avons pas vu. Et tenez-vous bien, Sid Amiwada Kamano est aujourd'hui traité d'ethno à Kissidougou, traité de je ne sais pas, de déstabilisateur à Kissidougou. C'est dû au propos du président de la République que je vais vous révéler tout de suite ce qu'il a dit encore lors des campagnes à Kissidougou. Monsieur le président de la République continue, il dit, Kissidougou, si je suis élu président, je retournerai la paternité de cette ville dans les mains de la communauté Kissi. C'est pas moi, je l'ai dit. C'est Alpha Condé qui est venu nous dire ici, si il est élu président, que la paternité de la ville de Kissidougou retournera à la communauté Kissi. Que Kissidougou appartient aux Kissi, donc c'est les Kissi qui doivent gérer Kissidougou. Ce n'est pas Amiralda Kamano qui l'a dit, c'est dit par le président de la République. Encore les images existent, c'est encore dans les vidéos avec des gens, ça s'est dit à Kissidougou. Automatiquement, nous on ne connaissait pas l'histoire là. Kissidougou connaissait quelle histoire? Que nous avons trois communautés, les Kissi, les Kouranko et les Lélé. C'est monsieur Alpha Condé qui est venu nous dire que la vraie histoire de Kissidougou, Kissidougou appartient aux Kissi. Donc la gérance de la ville de Kissidougou doit retourner à la communauté Kissi. Mes frères, tenez-vous bien. C'est dans ce sens-là, Amiral Dak Kamano, j'ai commencé à faire ce métier d'activiste. L'ajouter à mon métier d'artiste. J'ai dit que si cela est venu du président de la République, là, il faut que je me batte pour redonner la dignité à ma communauté, pour redonner la terre à ma communauté, pour que ma communauté soit aujourd'hui et sa dignité sur sa terre. Parce que tenez-vous bien, je vais vous dire, pour tous ceux qui connaissent Kissidougou, il n'y a aucune institution à Kissidougou ou directeur de cette communauté Kissi, il n'y en a pas. Je vous jure, quiconque connaît Kissidougou n'a qu'à venir me défier ici. Il me donne où le Kissi est directeur à Kissidougou. Il n'y en a pas. Même le métier le plus détesté par les autres, qui est le balayage de la ville, la directrice de ces femmes balayeuses n'est pas encore Kissi. Même les charretiers de Kissidougou, le directeur de ces charretiers encore n'est pas Kissi. C'est pour cela Alpha Condé nous a dit que quand il sera président, il va nous retourner la paternité de cette ville. On lui a soutenu. Nos parents ont tapé les mains pour lui. Nos parents ont voté pour lui. Parce qu'il nous a promis cela. Kissidougou s'est battu contre Seludalen Diallo. Kissidougou s'est battu contre l'ancien Akuyate. Kissidougou même s'est battu contre son propre fils qui est Dr. Faya Milimuno. La communauté Kissi s'est battue contre eux. Tout cela parce que la communauté, les deux villes, Kissidougou et Gekedou, avaient l'espoir qu'avec Alpha Condé, ça pouvait aller. Mais mes frères, dites-moi,
avec ses promesses non tenues. Où il est devenu que pour emprisonner des jeunes qui veulent revendiquer les promesses données par Alpha Condé. Parce qu'il nous a promis, quand on revendique la promesse, on nous prend, on nous fout en prison. Pensez-vous que nos mamans vont voter cette fois-ci pour Alpha? Non. Pensez-vous que les deux villes-là voteront pour Alpha Condé? Non. La forêt ne votera pas. Pour aller plus loin, on va s'aventurer pour aller vers Guéquédou. Guéquédou, ville sinistrée de la Guinée. Refusé par M. Alpha Condé et son gouvernement d'inscrire Guéquédou sur la liste des villes sinistrées en Afrique ou dans le monde. Ils ont refusé cela. Le seul atout, cette seule attribution pouvait aider aujourd'hui Guéquédou à se relever de la boue qu'elle est. Mais cette ville, M. Alpha Condé a refusé avec son gouvernement d'inscrire Guéquédou sur la liste des villes sinistrées. Voyez-vous, c'est pour cela que Guéquédou ne pourra jamais voter pour lui. Et je vais vous dire, la ville catastrophique de la sous-région, hier qui était une plaque tournante du commerce dans la sous-région, installée entre Libéria, Sierra Leone et la Guinée, Guéquédou était la plaque tournante. Mais voilà, M. Alpha Condé, il a refusé carrément. Il refuse carrément d'inscrire cette ville sur la ville sinistrée. Et c'est la seule ville en République de Guinée qui est victime de tous les maux. Guéquédou, ville des maladies. Guéquédou, ville des épidémies. Telles que choléra, sida, lassa, ebola, malaria, lèpre, etc. Guéquédou a été victime de tous ces maux. Guéquédou a des hauts cadres. Mais c'est la seule ville en République de Guinée qui a des hauts cadres. Mais que le pouvoir a utilisé contre sa propre ville. Et jusque-là, Guéquédou est la seule ville. Avec ce grand nombre d'intellectuels, avec ce grand nombre de hauts cadres, c'est la seule ville qui est aujourd'hui bouilleuse, qui est aujourd'hui poussiéreuse. Et nos hauts cadres qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement, auprès de Alpha Condé, font leur loi à Guéquédou. La plus grande chose qu'ils savent faire, c'est d'intimider les frères qui sont derrière, qui veulent révolutionner nos parents, qui veulent conscientiser nos parents pour revendiquer leurs droits. Ils les prennent, ils les mettent en prison. En janvier 2020, vous avez su 24 jeunes ont été mis en prison à Guéquédou, dont un est jusqu'à présent en prison. Le coordinateur du FNDC Guéquédou, Emmanuel Tonguino, est toujours en prison à Cancan. Maintenant, dites-moi, avec ça, pensez-vous que Guéquédou peut voter pour Alpha Condé? Guéquédou a aussi une jeunesse. Il a le plus grand nombre de déplacés vers les régions des mines. Sigiri Mandiana, c'est Guéquédou qui a le plus grand nombre de déplacés. Chaque année, la ville de Guéquédou enregistre une dizaine et quinzaine de morts suite à l'effondrement des mines des mines à Sigiri. C'est Guéquédou qui enregistre encore cela. Et pensez-vous que, avec tout cela, Guéquédou va voter pour Alpha Condé? Non. J'ai moi-même pris mon temps, sillonné les sous-préfectures de Guéquédou. C'est un calvaire total. Les sous-préfectures de Guéquédou sont coupées entièrement de la préfecture. Donc mon frère, avec ses promesses tenues, Alpha Condé ne fera plus encore. C'est pour cela qu'on lui a dit, Monsieur le Président, pour comprendre notre préoccupation, prenez votre temps. Rentrez dans la voiture à Conakry pour vous rendre jusqu'à Kissidougou et Guéquédou. Pour vous rendre jusque dans les sous-préfectures. Vous comprendrez que la Guinée va très mal. Vous comprendrez que vos promesses, rien n'a été tenu, Monsieur Alpha Condé. Vous avez trompé Guéquédou. Vous avez trompé Kissidougou. Vous avez trahi nos parents. Vous avez trahi toute sa jeunesse.
Parce qu'aujourd'hui, nos parents ne savaient pas. Ils ont remonté avec l'ethnostratégie, nos parents contre les peuples. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de ça. Nos parents sont victimes. Et quand c'est nous qui viennent pour sensibiliser, le devoir que vous avez, c'est de nous foutre en prison. Parce que ce que nous disons est vrai. Ce que nous disons n'est pas inventé. Ce que nous disons vient de vous. C'est vous qui avez tenu ces promesses à mes parents. Donc 14% que vous comptez en chercher un peu à Kissidougou, un peu à Gekedou pour aller à Massanta. Puisqu'on parle de Massanta, mes frères, rassurez-vous, Massanta, c'est la Russie de la Guinée. C'est les Russes de la Guinée. La Russie de la Guinée, c'est Massanta. Quand ils disent non, c'est non. La preuve, Massanta, les artistes de Massanta sont d'abord les premiers à faire même, à donner même leur soutien à Ella Sélou d'Alain Diallo. J'ai écouté ce matin cette chanson. Avec le mouvement Ella Zologa de Mamli Onivogi, un jeune que je salue beaucoup, son courage. Avec ce mouvement Ella Zologa à Tebeng, ils ont tenu tête à M. Alpha Condé lors des élections communal. C'est la seule préfecture en région forestière qui a fait gagner l'opposition lors des élections communales. Massanta. Oui. Et c'est encore Massanta qui a chassé tout récemment. J'étais en prison. J'ai entendu sur les zones de la RFI que Massanta vient de chasser son préfet pour les routes qu'il a fui pour Zérekori. Donc pour vous dire que ni Kissidougou, ni Gekedou, ni Massanta, Alpha Condé ne peut jamais gagner là-bas. Ça, je vous l'assure, il ne pourra pas gagner. Alpha ne gagnera pas l'électorat de la région forestière. Nous allons parler de Yomou. Yomou, une préfecture enclavée, une préfecture coupée en deux. Sa sous-préfecture Yeke est plus renommée que la préfecture Yomou. Pour vous dire que Yomou est plus frustré aujourd'hui que Kissidougou, Gekedou, Massanta. Yomou est plus frustré que ceci. Mais je vais vous faire une révélation. J'ai été à Gekke. Ma femme vient de Gekke. Quand je suis parti pour le mariage, mon mariage à Gekke, j'ai été voir les installations de Sogipa. Sogipa qui fait la transformation de Béa. Transformation de l'huile de palme, transformation, ils font des savons et autres, la saponification. Lorsque j'ai été, vous allez pleurer ce que vous allez entendre. On m'a fait visiter les installations dedans. J'ai vu les trois usines. Et arrivé, j'ai pris mon temps de poser quelques questions aux travailleurs sur leurs conditions de vie. Les travailleurs m'ont dit, amiral, c'est une désolation. Nous sommes ici, tu n'arriveras pas, tu n'en croiras pas ce qu'on va te dire. Lorsque nous travaillons sur notre salaire, lorsque nous travaillons 3 mois, nous sommes payés 1 mois. On travaille 6 mois, on nous paye 2 mois. On travaille 12 mois, nous sommes payés 4 mois. Les 8 mois vont dans les poches des commis de la République. Et c'est l'argent-là, ils utilisent encore pour venir faire campagne. La dernière de cette prestation, c'était lors des élections couplées COVID-22, où le directeur de la Sogipa est venu donner un chèque de combien de milliards et quelques au président de la République à Kissidougou. C'est vérifiable. Parce que ces travailleurs-là ont bien et bien vu cela passer. Pour soutenir la candidature d'Alpha Condé pour un complot contre la Guinée qui est le référendum. Le directeur. Vous allez voir que ces travailleurs souffrent. Tu travailles 3 mois avec ton énergie, on te paye 1 mois. Tu travailles 6 mois, on te paye 2 mois.
En une année, tu as payé 4 fois, 4 mois. Les 8 mois, les gens la détournent gratuitement, l'argent là. Vous allez voir que Gueké, l'amphithéâtre de Gueké est deuxième sur le plan africain, après l'amphithéâtre de l'Afrique du Sud. Plus de 1000 combien de places aujourd'hui qui est là-bas? Rien. Parce que les gens fuient. Les gens n'ont plus espoir. Ils viennent sur ta plantation, c'est eux qui viennent aujourd'hui imposer un prix sur ta plantation. Le kilo de VA, le kilo de palme, de palmis. Pensez-vous que Yomou va voter pour Alpha Condé? Et déjà, je suis fier parce que j'ai vu la semaine passée une coalition de certains artistes de Gueké qui sont contre le troisième mandat, qui sont pour l'alternance. Je les ai vus. Ils m'ont même contacté. Je suis d'accord avec eux. Pour vous parler de Lola et Bella, là, c'est les deux villes, les deux villes coupées de la Guinée. Ces deux villes sont coupées du reste de la Guinée. Croyez-moi que les deux villes sont coupées du reste de la Guinée. Donc je ne sais pas en quoi est-ce Bella et Lola vont voter pour Alpha Condé. Ils ne voteront pas. Parce que à Lola, je pense bien, il y avait eu aussi un problème là-bas lors des élections communales. C'est l'opposition qui avait remporté. Mais ils ont triché comme ils l'ont fait à Matoto pour imposer un candidat. Donc pour vous dire, cette fois-ci, ça ne marchera pas pour dire que si vous votez pour le peuple, qu'il va détruire la Guinée, il va vendre la Guinée, il va faire ceci. Tous les peuples du monde vont venir s'installer en Guinée pour vous prendre vos biens, pour vous faire ceci et cela. C'est faux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Cette fois-ci, vos façons de faire la campagne de l'ethnostratégie, ça ne marchera pas. Vous ne direz plus aux Soussous que les peuples sont contre vous, ils veulent prendre vos terres, ils veulent faire ceci. On a tout compris, yo, monsieur le président. RPG, on a compris que vous qu'on a donné, vous qui étiez mieux que celui d'Alain Diallo, Alpha Condé qui était le roi plus que celui d'Alain Diallo, vous nous avez dit que Alpha est le meilleur, Alpha est tout pour la Guinée, il va sortir de la Guinée de l'ornière. 10 ans, il a fait quoi? 10 ans, il a fait quoi? Dites-moi, 10 ans, il a fait quoi? C'est Loudalin que vous avez traité de tous les noms d'oiseaux. C'est Loudalin, le criminel. C'est Loudalin, le vendeur de Air Guinée. C'est Loudalin, celui qui a vendu les rails de la Guinée. C'est Loudalin, c'est lui qui a fait ceci et cela. Mais un voleur est devant vous. Vous êtes incapable de l'arrêter. Si ce n'est pas des mensonges, avec tout le pouvoir que vous avez aujourd'hui, si Selou était un voleur, je jure avec la haine que vous avez contre ce monsieur, avec la haine que vous avez contre son parti, vous leur dites arrêtez depuis très longtemps. Mais on a trouvé que vous avez menti. Vous nous avez fait croire à une histoire, à une sottise. Vous nous avez fait croire à des bêtises pour nous dire que ce monsieur était un voleur. Comment pouvez-vous comparer objectivement? Dites-moi, comment allez-vous comparer le bilan d'un premier ministre à un président de la République? Un premier ministre qui exécute la feuille de route d'un président. Vous allez comparer lui à son bilan au bilan du président pour nous dire qu'il a mené 11 ans ou bien il a fait ceci? Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous avez induit aujourd'hui Alpha Condé dans les erreurs. Vous qui êtes autour de lui, vous avez voulu manger, il fallait manger et arrêter de mettre les ethnies de la Guinée les unes contre les autres. C'est tout ce qui me fait mal dans ce pays. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont rien à donner au peuple, ils préfèrent mentir au peuple. Ils préfèrent mettre la haine, la zizanie entre les ethnies. Ils préfèrent donner, ils préfèrent lancer des propos va-t-en-guerre. Entre nous, le peuple.
Sinon, il est facile. Vous avez fait 10 ans. Sortez devant le peuple, donnez-nous le bilan des 10 ans. Je vous jure, si vous parvenez à nous donner le bilan des 10 ans, moi, Amiral Dakamano, je vais battre campagne pour vous. Oui. Si Alpha Condé me donne le bilan de ces 10 années, je bats campagne pour lui. Mais quoi? Trop de promesses. Vous avez tellement promis. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a pris encore pour aller dire que quand vous allez avoir ce pouvoir-là, vous allez donner chaque citoyen un toit. Mais attendez. Le président de la République qui compte donner des maisons aux Guinéens, c'est lever lui-même, aller détruire les maisons des Guinéens et les a mis dehors. Il a cassé des maisons des Guinéens. Comment lui, il peut construire des maisons pour des Guinéens? Quelqu'un qui a cassé des maisons des Guinéens, en quoi est-ce lui, il peut construire des maisons pour vous? Mais il y a des totos qui sont là. Il y a des gens qui ont de la boue dans leur tête. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas comment les qualifier, qui sont jusque là en train de croire à cela. Alpha, c'est le Messie. Alpha va nous donner tout ceci. C'est vous qui avez induit ce monsieur dans l'erreur. Il s'est battu 40 ans pour une démocratie. Vous venez lui tromper. Chaque fois quand il est couché, vous lui trompez. Vous sortez, vous venez lui montrer des images, que c'est les images de... On a fait des goudrons. Vous allez aller prendre les images de la Côte d'Ivoire, les images du Sénégal, des goudrons, des routes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, du Mali, pour venir montrer au président de la République que ça, c'est la route entre Kissidou et Gekedou. Ici, c'est la route entre Massanta, Zérékoré. Ouais, c'est la route entre Mamoulabé. C'est la route entre Kerouani, Dingiraï. Vous, des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous avez menti aujourd'hui au président de la République. Alors, comme il vous a cru, vous allez partir tous ensemble. Et lui, Alpha, et vous, vous allez quitter ce pays. Parce que trop, c'est trop. On ne peut plus. Alors, mes frères, on était sur... On a terminé de Massanta et autres. Je vais vous dire... qu'est-ce qu'il compte faire pour Zérékoré? Peut-être à l'heure que je suis en train de vous parler, ils sont en train de se voir pour libérer nos frères qui sont en prison. Nos frères du FNDC qui sont en prison, les fils de Zérékoré. Vous pensez que l'histoire là, Zérékoré va oublier? Zérékoré sait que c'est le gouvernement d'Alpha Condé qui a détruit les églises de Zérékoré. Zérékoré se souvient encore que les fils de Zérékoré ont été tués et enterrés nuitamment la nuit dans une fosse commune. Pensez-vous que Zérékoré va oublier ça? Le jeu que Zérékoré est en train de faire, c'est une réponse à Alpha Condé. Il les a menti. Ils vont aussi mentir au président de la République. Obtenir la libération de nos frères. Et après tout, on ne votera pas pour vous. Croyez-moi, c'est clair. Personne ne votera pour vous. Zérékoré n'acceptera pas ça. Personnellement, j'étais à Zérékoré. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu quand on a été pour le jugement. Mais Zérékoré, que je connais. Zérékoré, que je connais. Je vous rassure que même si vous libérez tous les prisonniers de la République de Guinée, même si vous libérez tous les prisonniers de la République de Guinée, Zérékoré ne votera pas pour vous. C'est parce que vous nous avez menti. On va utiliser le même mensonge pour vous convaincre. Vous allez nous libérer nos frères. Après, nous savons qui, pour qui voter. Donc, mes frères, la région, la Haute-Guinée, vous avez compris que les 31% Alpha ne les aura pas. La Guinée forestière, vous avez compris pourquoi Alpha Condé n'aura pas les 14% de la région forestière. Et la moyenne Guinée, ça, on ne l'apprend pas à quelqu'un. Moyenne Guinée, tenez-vous bien. Alpha ne veut pas beaucoup de pourcentage là-bas. Il cherche seulement 3% chez vous. La moyenne Guinée, Alpha Condé cherche seulement 3%. 3%. Donc pour les 3%, soyez unis. Soyez forts. Parce que Bantamasso,
viendra encore vous défier. Mouktar Diallo viendra vous défier. Pour cela, soyez unis, prouvez à Alpha Condé que vous avez toujours été unis. Vous resterez unis et vous voterez que pour votre candidat, le seul, le unique candidat de là-bas. N'ayez jamais voté pour Alpha Condé, sinon c'est pas bon. C'est pas bon pour la Guinée. Cette fois-ci, il ne s'attendait pas si Seydou Dalein Diallo allait se présenter. Il ne s'attendait pas si Dr Ousmane Kaba allait se présenter. Il ne s'attendait pas si Maître Kabele allait se présenter. Dans les 14%, je vous en prie, la moyenne Guinée, sécurisez les 14%, ne les donnez pas à ce monsieur. Ne les donnez pas à ce monsieur, même 1% ne lui donnez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que je suis sûr, là-bas, il n'y a aucun problème. Vous allez le défier là-bas et vous allez voter pour le candidat que vous avez besoin. Il n'aura pas les 3% qu'il a besoin là-bas ou 4%. Pour laisser 10% à votre candidat, il ne le fera pas. Là-bas, Scott. Mes frères, je salue le courage de Elan Seguna. Aujourd'hui, vous avez vu que pour la région forestière, surtout de notre communauté, il y a le président de la communauté ici qui est à ses côtés, qu'on appelle Dimini Tonno, qui aussi a la majorité des Kissi qui sont à Conakry. En 2014, il avait 3500 foyers des Kissi où il gérait les 3500 foyers des Kissi à Conakry. Ça, c'était en 2014. Imaginez à aujourd'hui. Ce monsieur est un véritable mobilisateur. Il a dit non au troisième mandat. Moi, Amiral Dakamano, je dirais non. Et je soutiendrai ce monsieur, le président de la communauté Kissi, Jean Dimini Tonno, qui est aujourd'hui aux côtés de la Seguna, qui représente la région forestière. La Basse-Côte, s'il vous traite que c'est avec des sacs du riz et avec l'huile qu'ils pourront acheter votre conscience, pardon mes frères, n'acceptez pas cela. N'acceptez pas. Parce qu'il ne faudrait pas que Alpha Condé nous traite d'affamés. Il ne faudrait pas accepter que Baïdi Haribo nous traite d'affamés. N'acceptez pas que Kassori Fofana vous traite d'affamés. Vous êtes dignes. L'ancien Conté vous a laissé la dignité. Soyez fiers de ça. L'ancien Conté vous a laissé la dignité. Soyez fiers de ça. Parce que si Alpha Condé avait continué à cultiver Bantama, vous ne serez pas là aujourd'hui. Si Alpha Condé avait continué le projet de Koba, vous ne serez pas là aujourd'hui. Mais Alpha est contre tout le monde. Alpha Condé est contre tout le monde. Toutes les régions de la Guinée et toute la Guinée. Parce que c'est en son temps, on ne parle plus de Koba. C'est en son temps, on ne parle plus des champs de Bantama, ni rien. La Guinée ne se contente qu'aujourd'hui sur le riz importé. Au temps de l'ancien Conté, l'armée là n'importait pas le riz. L'armée cultivait le riz et donnait au peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes où? La Basse-Côte ne peut plus aujourd'hui donner le riz à la Guinée. Tout doit quitter aujourd'hui en forêt pour remonter. Alpha nous a eu. Alpha nous a dessus. Alpha nous a maltraités. Il faudrait que vous de la Basse-Côte ne tombez pas dans les pièges de ce petit fanfaron qui est en train de dire l'abbé Sagné ou bien quoi. Ne tombez pas dans son piège. Je suis croyant, je suis confiant qu'avec Elan Seguna, la Basse-Côte ne cédera pas les 7% ou 10% que Alpha Condé cherche. Parce qu'il est impopulaire aujourd'hui. Impopulaire dans la capitale. Donc pour ce fait, je vous en prie, ne lui donnez pas les 7% ou 10% qu'il cherche. Il n'a eu aucune commune à Conakry. Si ce n'est pas par forcing, Tos Camara ne pouvait pas être
maire de Matoto. Vous connaissez cela. C'est le moment pour nous tous d'être unis, ensemble, d'être tous ensemble, de se battre contre le troisième mandat. Donc, la question est que de savoir, est-ce que le FNDC doit accompagner les candidats issus du FNDC à cette élection présidentielle? Moi, Amiral Dakamano, j'ai dit oui. Le FNDC, tous les militants du FNDC doivent accompagner ce processus électoral. Amiral Dakamano, moi, j'ai dit oui, nous devons les accompagner. Parce que notre objectif, c'est l'alternance. Je vais vous donner le pourquoi. Je dis que le FNDC doit accompagner ce processus électoral. Au début, des adhésions se faisaient dans le FNDC. Le FNDC a accepté que les partis politiques adhèrent à ce mouvement, ce grand mouvement. Donc, si le FNDC a accepté l'adhésion des partis politiques, c'est parce que le FNDC avait trois volets de lutte. Je vais vous le dire. La lutte était sur trois volets. Le premier volet, c'était une lutte citoyenne. Où nous, on devrait sortir tous dans les rues, manifester légalement pour empêcher le troisième mandat. Mais aujourd'hui, on doit se réjouir. Parce que ceux qui nous disaient que le FNDC est en train d'attribuer ou est en train de faire porter un manteau à Alpha Condé, que Alpha n'est pas ici pour le troisième mandat. Aujourd'hui, Alpha vient de nous donner raison. Que nous qui se sont levés tôt pour barrer chemin à Alpha pour le troisième mandat, on avait raison. Le peuple de Guinée, la communauté internationale, tous nous donnent raison aujourd'hui que Alpha avait l'intention d'avoir ce troisième mandat. Et voilà, il s'est prononcé. Donc, on avait ce premier volet que j'ai dit, la lutte citoyenne. Pour ce premier volet, lutte citoyenne, on a fait des manifestations. Mais il y a certains qui étaient dans notre esprit, puisque le FNDC, c'est un état d'esprit, mais n'avaient pas le courage de sortir, manifester par peur d'être tués. Nous, nous sommes sortis. Alors, ces personnes, il faudrait que ces personnes aussi, qui étaient dans l'état d'esprit du FNDC, qui sont contre le troisième mandat, qui sont contre le pouvoir à vie, partent s'exprimer dans les urnes. Il faut que nous donnions la chance à ces personnes aussi d'aller s'exprimer dans les urnes. Y compris nous qui se sommes battus dans les rues. On doit aller s'exprimer dans les urnes. S'il te plaît. Tiens, envoie-moi ma carte électeur. Cherche-moi ma carte électeur là-bas, tu m'envoies. Donc, ce volet de lutte citoyen, on l'a amené. Puis nous sommes venus au deuxième volet qui est la lutte diplomatique. Après avoir décrédibilisé Alpha Condé sur toute l'étendue du territoire et auprès des institutions internationales, nous avons eu cette victoire sur lui. Et sur ça, ils nous ont demandé une lutte diplomatique. La coordination a mené une lutte diplomatique. Il a été soumis sur table auprès de la coordination que nous acceptons une élection inclusive. Ils ont dit cela. Le FNDC, la coordination, était dans se lancer pour pouvoir mettre tout le monde d'accord, et la mouvance, et le FNDC, et l'opposition, afin qu'il y ait une élection libre et transparente, inclusive en République de Guinée. Sur cette diplomatie, le troisième volet était la lutte politique. Si le FNDC a accepté que les gros poids lourds de la politique guinéenne ont adhéré, c'est parce que quelque part, on se disait que quand ça arrive à une lutte politique, ces politiques qui sont au sein du FNDC iront nous faire cette lutte. Et c'est ce que Seydou Dalein Diallo, Ousmane Kaba et Kabelé sont partis faire. La seule chose que nous étions contre, moi, Amiral Dak, j'étais contre, c'est que tous les candidats de l'opposition se présentaient pour aller contre Alpha Condé. Ça, c'était donner victoire gratuite à Alpha Condé. Parce que Alpha Condé allait tricher
en donnant un peu de voix à tout un chacun et il se donne 50% et quelques. Quand Selou va pleurer, on m'a triché. Sidia allait dire, on m'a triché. Faya dit, on m'a triché. Lansana Kouyaté dit, on m'a triché. Ousmane Kaba, la même chose. Mais c'est salutaire de voir que pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, Alpha Condé et son véritable adversaire s'affrontent et qu'il n'y ait pas Sidia Touré. Parce que c'est à travers Sidia Touré, il pouvait encore corrompre la basse côte de ne pas voter pour Selou Darlène Diallo. Alpha allait trouver l'alliance encore avec Sidia ou allait comploter avec certains membres de Sidia parce qu'ils ont, ils ont détruit le parti de Sidia un peu. N'aient été les efforts de Bill Nessam et de certains partisans, certains membres du bureau politique tel que les FODÉ, Alpha Condé était sur le point de tuer l'UFR. Mais c'est salutaire la décision de ces personnes-là de ne pas aller aux élections. Donc, le FNDC avait un plan de lutte politique. Il ne peut pas exclure cela. Nous ne pouvons pas exclure pendant que nous sommes tous conscients qu'il y avait des politiques parmi nous. On a été critiqué longtemps que pourquoi vous avez accepté les politiques parmi vous. Et la cause d'avoir accepté les politiques parmi nous, c'était pour mener cette lutte qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pour passer par tous les moyens, empêcher le troisième mandat à Alpha Condé. Notre objectif, c'est l'alternance. Le FNDC cherche l'alternance. Les partis qui sont partis veulent l'alternance. Alors, nous sommes tous appelés à accompagner ces politiciens. Le FNDC est appelé à soutenir ses politiciens. Je me déplacerai moi-même, aller trouver la coordination pour leur dire de changer, de réfléchir sur cette position. On doit les accompagner. J'irai voir aussi le syndicat, le SLEG d'Aboubacar Souma. Vous me verrez dans les prochains jours. Avec Aboubacar Souma, je viendrai encore demander soutien aux enseignants dont Alpha Condé a bafoué leurs droits. Je viendrai demander à Aboubacar Souma le soutien d'Aboubacar Souma à ces candidats qui sont contre Alpha Condé. Parce qu'il faut à tout prix que toute la Guinée soit ensemble. On doit se mettre derrière un seul homme. Un seul homme, le véritable adversaire d'Alpha Condé. Il faut qu'on se mette derrière cet homme. Et nous, je vais aussi demander à M. Jean Dimini, ton nom, qui est le coordinateur régional pour la forêt. J'irai lui voir aussi pour lui dire, il n'a qu'à se prononcer ouvertement qu'il soutient la candidature de ces candidats qui partent contre Alpha Condé. On ira, on fera une délégation pour aller retrouver Ella Seguna. Pour qu'il soutienne ouvertement. Parce que il faudrait ça. Il faudrait qu'on soit tous ensemble, artistes, activistes, société civile, tout le monde pour soutenir la candidature pour enfin avoir cette alternance. Notre objectif, c'est ça. L'opposition n'est pas divisée. Le FNDC n'est pas divisé. C'est Alpha Condé qui veut se servir de ça pour nous dire que nous sommes divisés. C'est faux. Si quelqu'un vous dit que le FNDC se battait, je vais vous prouver leur mensonge. Qu'on était en train de se battre, qu'on a brûlé nos cartes électeurs, qu'on était en train de se battre, on ne s'est pas fait recenser. C'est faux. Voici la mienne. Voici la mienne que je voterai contre Alpha Condé. Il n'aura pas ce troisième mandat. Je voterai contre Alpha Condé. S'ils ont dit que nous, membres du FNDC, on ne s'est pas fait recenser, c'est faux. Nous nous sommes recensés. On s'est fait recenser. Et jusque-là, vous allez retrouver que leur magouille continue parce que je détiens même en lice, en main, la carte électeur de ma petite sœur qui est décédée. Pour vous dire que le travail n'a pas été bien fait. Mais on ira contre lui pour lui battre cette fois-ci en un seul homme. Donne-moi la carte de Aminata. Ma petite sœur qui est décédée, dont je vous ai parlé, et ils ont fait leur révision. La petite n'était plus en vie. Ma sœur n'était plus en vie. Mais sa carte est là.
J'ai vu encore les cartes de beaucoup de personnes décédées. Il y a certains même décédés, il y a de cela 2 ans et quelques. Voici. Ça, c'est la carte électeur de ma petite sœur décédée. Malgré leur révision, qu'ils ont dit que le fichier est propre, voilà, on retrouve encore la carte de ma petite sœur décédée. Elle est décédée bien avant leur dernière révision. La CENI, voilà votre travail. Voilà le travail que vous êtes en train de flatter, que vous avez fait un travail colossal, vous avez fait un travail énorme. Voilà la carte électeur de ma petite sœur. Parce que vous savez ce que j'ai fait? Pour vous dire que tellement je suis contre l'élection d'Alpha Condé. Quand j'ai été chercher ma carte électeur, tous les parents que je connais qui sont contre Alpha Condé, plus de 200 et quelques, j'ai pris leur carte électeur. Moi seul, j'ai pris plus de 200 et quelques cartes électeurs. Parce que je sais que ces personnes-là ne voteront jamais pour Alpha Condé dans la zone que je suis, dans le secteur que je suis. J'ai pris ces cartes-là pour venir les rendre un à un et dresser une liste de toutes ces personnes-là pour former un mouvement de soutien entre eux. Ils vont soutenir la candidature de ces trois qui sont partis pour ne pas qu'ils votent pour Alpha Condé. Oui, je l'ai fait parce que je suis contre. Personne de ma famille ne votera pour Alpha Condé. À plus forte raison, mes voisins. Le voisinage, j'ai cherché les 200 et quelques cartes. Je les ai données tous. C'est parce que cette fois-ci, je suis décidé d'en finir avec ce problème. Donc, mes frères, qu'est-ce qu'on demande à Ella Seludalen Diallo? Parce que il faut reconnaître qu'il est le véritable adversaire aujourd'hui de Alpha Condé. C'est lui qui est traité comme le Daïchi de la politique africaine, le nouveau Yorobo, parce que l'UFDZ, c'est des Chinois. Ils ont fait dormir les partisans du RPG en plein 15 heures, jusqu'à 48 heures. Jusqu'à présent, même certains dorment encore. Alpha Condé, on ne l'a plus vu devant son petit écran pour soulever la main, la victoire, ou bien faire comme ça. C'est le Dalin qui a fait ça. Ce vaccin, c'est le Dalin Diallo, est efficace pour l'alternance. Mais, Chinois, je vais parler de l'UFDG. Vous, les Chinois de l'UFDG, ne pensez pas que si vous êtes nombreux, que c'est fini, que vous avez le pouvoir. Non. Vous devrez être très vigilants. Je sais qu'on ne vous apprendra pas ça. Vous avez vos cartes électeurs. C'est des mensonges, ils sont en train de dire que c'est à la foule et ils ont des électeurs. C'est faux. C'est une façon d'endormir la conscience de la Guinée. C'est faux. Vous avez vos cartes électeurs. Nous avons tous nos cartes électeurs comme eux. C'est faux. Vous les Chinois, je vais parler de l'UFDG. C'est vous que j'appelle Chinois parce que vous êtes nombreux. Alors ce que je vais vous dire. Mettez la pression sur Ella Seludalen Diallo de demander l'alliance à Sidya Touré. Vous voyez, la Guinée, c'est un petit pays. La Chine, c'est la deuxième puissance mondiale. Mais la Chine, malgré avec le poids qu'il a, la Chine a besoin de la Guinée. Malgré, c'est un petit pays. Les États-Unis, première puissance mondiale, malgré leur puissance, ils ont besoin d'un pays comme le Niger, qui fait partie des 3 pays les plus pauvres au monde. C'est pour vous dire, même si vous êtes Chinois aujourd'hui, vous êtes nombreux, vous avez besoin du soutien de Sidya Touré. Vous, membres de l'UFDG, vous, partisans de l'UFDG, mettez encore la même pression que vous avez mise sur Seludalen Diallo à se présenter à ces élections. Mettez la pression pour lui dire, vous allez vous lever. Les mouvements de soutien qui sont dans l'UFDG, levez-vous. Allez retrouver Sidya Touré à son domicile. Allez lui demander que vous avez besoin de son soutien. Allez retrouver aussi Dr. Faïa Minimouno pour dire que vous avez besoin de son soutien. Allez retrouver Lansana Kouyaté pour dire que vous voulez son soutien. Allez retrouver
Baouri pour lui dire que vous avez besoin de son soutien. Allez retrouver Aliumba et tous les partis politiques minimes, qu'ils soient de leur voie électorale. Vous avez besoin. C'est ce petit là que vous allez réunir pour faire grand. Je sais, vous êtes des Chinois. Je sais, votre Selou Dalein, c'est le nouveau Yorobo dans la politique africaine. Parce que c'est lui seul qui est influent, qui fait partie des 5 personnalités les plus influentes de l'Afrique. Donc je vous demande, ne restez pas assis pour dire qu'on se suffit nous-mêmes, pour dire que nous avons la Guinée, pour dire qu'on a la moyenne Guinée, pour dire qu'on a la capitale. Vous avez besoin de l'appui de Sidia, de l'appui de Faya, de l'appui de tous ces politiciens. Ne faites pas l'orgueil. Sinon, si ça va aller mal, vous serez les seuls responsables. Les gens diront que on vous a dit de ne pas partir à ces élections. Et pour éviter ça, moi je suis d'accord à votre participation. UFDG, je suis d'accord avec votre participation à ces élections. Je suis d'accord avec la participation de Dr. Ousmane Kaba. Je suis d'accord avec Maître Kabélé. Je vais voir les trois là. Même s'ils ne font pas l'alliance sur la liste électorale, mais ils vont faire l'alliance pour les campagnes. Ils seront les trois accompagnés du FNDC, accompagnés des 4 coordinateurs. Ils vont être aux côtés de ces candidats pour battre campagne. On va faire la mobilisation. Et après, qu'est-ce qu'on aura besoin? La sécurisation des voies électorales. C'est le grand travail. Vous devrez mobiliser vos combattants. Vous devrez mobiliser vos soldats sur tous les terrains de sécuriser les voies du peuple. Pour sécuriser les voies du peuple, pour ne pas qu'on vous vole ces voies. De la manière dont vous êtes nombrés, la Chine populaire de la Guinée, UFDG, déployez les gens sur le terrain. Ne quittez pas et soyez les premiers à remonter des informations, des suffrages qui vont se passer. Soyez les premiers. N'attendez pas que la CENI RPJ proclame les résultats et que vous n'avez pas d'abord fini de totaliser vos voix. N'acceptez pas cela. Donc, ce que je vous demande, sécurisons ces voix. Moi, je sécuriserai ma voix. Quand je vote pour le candidat que je vais voter, ma voix là ne sera pas volée. L'équipe que j'ai réunie ensemble, leur voix ne sera pas volée. Donc si je vais vous parler aujourd'hui de la Guinée, c'est par rapport à ça. Pour vous dire que l'échec est là. Le FNDC doit bel et bien soutenir la candidature de ces 3 candidats issus du FNDC. Elan Seguna doit soutenir les 4 coordinations. Les enseignants doivent nous soutenir parce que tous sont pour l'alternance. Alors, si j'arrive là, je pense que je n'ai rien laissé par rapport à tout ce qu'on voulait se dire. Parce que j'ai été très long, mais il le fallait pour vous prouver que je suis sorti de cette prison. Mais je ne rentre pas en prison lion et sortir mouton.